Jojo restaurant, the Evergreen complex. Beautiful place, and we're having fun here. It is the second anniversary of the Fondation Dr. Louis G. Lamotte. Salle Comblé Valerio, a lot of guests. So I'm assuming a lot of money tonight, right, for the organization. We hope so for the organization. On le souhaite pour l'organisation. Il faut dire qu'il y a des invités de marque, Barbara. Des invités qui vont passer la présentation, mais des invités qui quand même et fait le poids pour soirée. Nous, d'abord, on commence pour nous dire que Fondation, nous mettons notre image, nous intéressons à la Fondation parce que nous allons visiter dans la commune Kinskoff. C'est la troisième circonscription dans la commune Kinskoff. Et bien, nous allons dans Panyol, justement. Nous allons voir qui c'est à faire. Donc, ce n'est pas une fondation que nous ne connaissons. Nous voyons dans la sous-place. L'ancien premier ministre Laurent Lamotte a invité l'image pour venir voir ça à faire. Et là, nous allons vraiment voir qu'il a travaillé. Avec, il essaie de finalement de faire son petit exemple à essayer de faire dans la zone de Panyol. Un village et bon smart village, on nous dit en anglais, village intelligent, côté que jeunes à grand monde, il y a bien technologie à disposition, l'école, évidemment l'hôpital, dispensaire, etc. Et puis récemment, voilà, j'allais venir pour dire que récemment, il commençait à développer un projet, un programme de sous-affaires agriculture, $500,000 US disponible pour développer nos affaires agriculture dans la zone. C'est un gros bagage. Donc je veux dire, pour la deuxième année, il a fallu donc ce beau monde. Il faut préciser rapidement que nous avons commencé dehors, nous avons commencé à imaginer, nous avons regardé l'image, ça au commencement, c'est dehors, nous avons commencé à faire. Et puis nous avons petit farina qui a commencé à faire là, dans Pétionville. Nous avons petit l'appui, et Baba n'a pas voulu mouiller ses jolis cheveux. Baba a dit, même après entrer, ça prend du temps. Donc le bon monde est rentré à l'intérieur, et puis pendant que nous là, nous avons rencontré des personnalités qui ont même fait soirée à Salier. Par exemple, nous avons rencontré le président de la République lui-même qui s'est déplacé en personne. Qu'est-ce que tu lui as dit, Valerio? J'ai pas pu. Bon, il a plutôt parlé, bon, il a l'impression, il dit nous pour qui ça là, il dit que là, pour cause, et cause ça que l'ancien premier ministre dans la mort l'embrasse, lui-même tout l'embrasse le tout, il travaille dans le même sens là, donc il vient encourager elle. M'li demander combien de cobres, s'il s'y en chèque, combien de cobres il baille, il faudrait lui demander ça. Pensez que le nous fait ça. Et puis, évidemment, et de président à l'autre, nous jouons le président Sénat, M. Lambert qui était là, l'honorable sénateur Lambert, et puis président Chambre des députés, l'honorable député Gary Baudot. Donc nous voyons que tout le monde est déplacé, en plus de monde, la presse aussi s'est déplacée. Et puis on voit aussi des jeunes demoiselles, des jeunes gens qui viennent, nous parler avec eux, pour eux même demander eux même qui sont venus faire là, est-ce que c'est juste venir faire fashion, venir défiler, venir faire belle bagaille, ou bien est-ce que venir contribuer? Est-ce que vous avez dit chaque là? Est-ce que vous avez encore? Voilà, donc Téléman, nous faisons des placements là-bas. Nous pensons que ça a valu la peine. Nous décidé de venir pour nous. Pour deuxième année, exactement ça qu'a fait. Je pense que nous-mêmes dans la diaspora, qui peut-être à suivre à travers Téléimage, eh bien, c'est pour t'aimer. Aider le tout. Alors, on va lui parler aussi parce que là, nous autres, bon, nous c'est Média Diaspora, nous sommes New York, nous venons là, nous toujours faisons ouverture sur Diaspora. Et Diaspora, ça Diaspora, café. Et pour Diaspora, qui j'en nous kawel. Donc, je pense que nous avons pour poser des questions et nous avons attendu ça au Gapio dit, mais quand même, et l'ambiance est festive, des personnalités de marque et puis belle ambiance, ça c'est vrai. Il y a des bouchers qui tournent, il y a deux, trois bouchers. Beaucoup, jusqu'à présent, j'ai rien encore goûté. Voilà une jolie photo. Pour les bouchers, on va essayer aussi parce que je veux rester reconnu pour manger. Donc on va manger, on va s'amuser, puis on va faire le travail de faire le reportage sur ce qui se passe ici à Pétionville. On va le faire. Quelques mots rapidement pour pourquoi pas. Nous avons de grandes dignités à là pour occasion, ça, son gros occasion. Ça veut dire pour nous. Deuxième année, Fondation Docteur Louis Lamotte. Monsieur le Président, sans penser, impression. Bon, nous même nous là pour tout ça qui est positif dans le pays. On fondation, donc on fondation on Lamotte. D'ailleurs, il faut me dire que papa, ancien premier ministre, son monde qui fait un pile pour le pays. Et nous connaissons l'Institut Lope de Vega, ça lui représente pour Haïti, son patrimoine. Et en fondation comme ça, il n'y a pas qu'à fêter le deuxième anniversaire pour moi en Haïti, pour me battre là dans la commémoration du deuxième anniversaire. Ça. Et je dis que tout le monde, tout Haïtien qui a regardé le Captain Demla, il faut nous encourager ça qui est positif dans le pays. Et c'est un coup que je dis, je profite de l'occasion pour me dire, moi, ouais. Sur les réseaux sociaux, je regarde un mouvement qui est dans Saint-Marc, par exemple. Tout citoyen Saint-Marc qui a mis à côté magistrat Saint-Marc, là, pour faire un mouvement pour propre ville. Là. C'est des débats comme ça qu'on a encouragé aujourd'hui. Hein. Chaque haïtien prend responsabilité. Parce que
Nous connaissons nos droits, mais nous avons devoir tout. Devoir pour notre pays qui est meilleur, pour une image qui est positive d'Haïti. Et c'est ça que nous connaissons que l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe a travaillé sur ça pour que l'image d'Haïti nous change. Parce que le pays a tout ça nous besoin pour le développer. Son grain de baille qui était, c'est mentalité. Merci un peu. Merci beaucoup.